Non, mais quand on a, quand on fait un truc qu'on a vraiment choisi de faire et qui nous passionne, on n'a pas besoin de vacances. Donc là, il y a à peu près 3 quarts d'heure, j'ai fait chauffer le lait à 30 degrés. Je l'ai emprésuré, j'ai mis la présure. Et après, je l'ai laissé cailler. Et donc là, je viens de casser le cahier, donc on tranche le cahier pour que ça fasse des petits morceaux. Je vais brasser en chauffant le lait jusqu'à très progressivement jusqu'à 34. Pendant combien de temps? Pendant 3 quarts d'heure, une heure. Donc, mais j'arrête, hein, je fais des pauses. Hein. Tous les jours, tu fais du fromage? Ouais, sauf le mercredi et le dimanche. Sauf le mercredi et le samedi. D'accord. Il y a, donc, il y a de la transformation à faire, en fait, pratiquement tous les jours. Quoi. Mmh. Et ça prend combien de temps, à peu près, les diverses opérations? Ouais, c'est minimum 2 heures. Quand je transforme, c'est 3 heures par jour. Ouais. Minimum. Plus le rangement, la vaisselle, il y a beaucoup de vaisselle à faire. Dis, là, c'est plus l'endroit le plus important de la fromagerie. Et pourquoi? C'est la laverie. Donc c'est là qu'on lave toute la vaisselle et c'est là, là où on passe le plus de temps, en fin de compte, dans la fromagerie. Tous les jours, tu fais du fromage? Ouais, sauf le mercredi et le dimanche. Sauf le mercredi et le samedi. D'accord. Il y a, donc, il y a de la transformation à faire, en fait, pratiquement tous les jours. Quoi. Oui. Et ça prend combien de temps, à peu près, les diverses opérations? Ouais, c'est minimum 2 heures. Quand je transforme, c'est 3 heures par jour. Ouais. Minimum. Plus le rangement, la vaisselle, il y a beaucoup de vaisselle à faire. Dis, là, c'est l'endroit le plus important de la fromagerie. Et pourquoi? C'est la laverie. Donc c'est là qu'on lave toute la vaisselle et c'est là où on passe le plus de temps, en fin de compte, dans la fromagerie. Donc là, c'est arrivé à 32, donc je vais enlever un petit peu de sérum. Parce que le but de la manœuvre, c'est d'enlever le plus de sérum possible. Qu'on n'ait plus que du grain plus sec possible. Quoi. Enfin, pas plus sec, mais on a enlevé le plus de l'eau, quoi. C'est là, là. Bon, donc la croûte commence à être bien. Voilà, j'ai fait les crêpes. En fait, les brosser comme ça, il faut le faire 2 fois par semaine. De la basse Bretagne, du pays d'où je sais, du pays d'où je sais. Il y a 3 gentilshommes, tous amoureux de mai. À Verdinguet, à Sismafein, choupi 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 ma fei. Oh, qu'il y a de l'amour pour mai, in dor, in dor, in choupi choupi choupi, in dor, in dor, in choupi ma fei. Le premier est un prince, le deuxième est un roi. Le deuxième est un roi et le troisième...